900 millions d'électeurs, cette phase de vote est allée d'avril à mai 2019. L'Inde connaît les plus grandes élections de l'histoire. Mais depuis quelques années, le pays dégringole dans le classement de la liberté de la presse, le gouvernement de New Delhi est entièrement centralisé et beaucoup critiquent la personnalisation du pouvoir par son premier ministre, Narendra Modi. Alors, l'Inde est-elle vraiment la plus grande démocratie du monde ? Pour bien comprendre, il faut remonter en 1950. Nous sommes plus de 2 ans après l'indépendance et l'Inde rédige sa constitution. Un document unique qui lui permettra de devenir le seul pays anciennement colonisé à ne connaître plus que la démocratie. L'année suivante, l'Inde fait le pari de sa première élection au suffrage universel, alors que seulement 11% des citoyens savent lire et écrire. C'est la première fois qu'on tente une aventure comme celle-ci. Et d'ailleurs, Nehru, le Premier ministre, dit que c'est un saut dans l'inconnu. Et ça a donné quelque chose de miraculeux, au sens où les gens sont allés voter. Sur tous les chemins et par les moyens les plus primitifs, une sorte d'exode général a saisi la République indienne. La consultation électorale qui se déroule en ce moment au pays de M. Nehru a motivé ce formidable déplacement. Aujourd'hui, le système électoral est bien rodé. Il est surveillé par une commission électorale qui vérifie le bon déroulement des élections, notamment pour éviter la corruption. Pour réduire la fraude, les votes se font électroniquement. Une marque d'encre indélébile est laissée sur l'index des votants pour empêcher les votes multiples. Hors de question d'oublier qui que ce soit, pas même ce citoyen isolé pour qui un bureau de vote a été exclusivement installé. Le système est si bien rodé qu'en 2011, Hillary Clinton, qui était en visite en Inde, avait parlé de modèle en or. Et quand il y a eu des problèmes avec l'élection de Bush puis l'élection de Trump, les Indiens ont dit non sans malice, ont proposé non sans malice leur aide aux États-Unis pour l'organisation des élections. Le miracle est répété tous les 5 ans en un sens, parce qu'il y a toujours un tiers d'analphabètes en Inde, il y a toujours un taux de participation quand même assez élevé. Donc on est effectivement dans quelque chose de miraculeux. Sauf que pour de nombreux spécialistes, le miracle de la démocratie indienne tient plutôt du mirage. Ces dernières années, elle a beaucoup souffert, la démocratie indienne. Elle a opéré une véritable mutation pour prendre des accents très autoritaires. Les Indiens eux-mêmes, parfois, doutent d'être en démocratie. L'homme qui fait peser le doute, c'est lui, Narendra Modi. Il a été élu Premier ministre en 2014, dans un pays où le président n'a qu'un rôle cérémoniel. De fait, Modi concentre aujourd'hui tous les pouvoirs entre ses mains. Il laisse ses ministres dans l'ombre, il ne parle presque jamais aux médias et s'adresse directement au peuple, par la télévision ou la radio. Ses meetings sont gigantesques et le présentent comme l'homme providentiel du pays. Un film à sa gloire sauce Bollywood devait sortir en 2019 et une série romançant sa vie est diffusée sur une plateforme de streaming locale. Et il devient difficile, voire dangereux, de critiquer le pouvoir indien. Au classement de Reporters sans frontières, l'Inde est 140e sur 180 pays. L'ONG dénonce des actes de répression et d'intimidation contre des médias, avec un lourd bilan. 6 journalistes ont trouvé la mort en Inde en 2018 en raison de leur profession. On pense à Gauri Lankesh en septembre 2017 qui s'est fait assassiner alors qu'elle justement elle enquêtait sur les milieux nationalistes hindous. Il y a beaucoup d'intimidation physique, mais aussi d'intimidation judiciaire ou financière. La manne publicitaire s'est arrêtée pour certains journaux qui n'étaient pas pro-pouvoir par exemple, ou qui étaient un petit peu trop critiques. Fragilisée, la démocratie indienne souffre aujourd'hui de l'idéologie politique de Narendra Modi, le nationalisme hindou. Bien plus que n'importe quelle thématique sociale, liée au caste par exemple, le Premier ministre fait aujourd'hui campagne sur une opposition religieuse entre les hindous et un bouc émissaire, les musulmans. Musulmans qui sont tout de même 170 millions dans le pays. Narendra Modi, lui, il défend une doctrine, une idéologie qui s'appelle l'hindutva. Hindutva, littéralement, c'est l'hindouité. Dans l'hindutva, le musulman, c'est l'autre absolu. Les mots qui sont utilisés pour désigner les musulmans, c'est parasite, ennemi de l'intérieur, 5e colonne, traître, espion. Aujourd'hui, les minorités, les musulmans, les chrétiens, ont sur le papier les mêmes droits que les hindous, mais en pratique, sont devenus des citoyens de seconde zone. Les minorités sont ou bien assujetties, ou bien réprimées, ou bien décimées. C'était pas du tout l'ADN de l'Inde
tel qu'en 1947, Gandhi et Nehru l'ont créé. Et c'est pour ça qu'il y a une tension aussi forte aujourd'hui, et c'est pour ça que ces élections sont absolument clés, parce que c'est l'âme de l'Inde, en quelque sorte, qui est en jeu, c'est son identité profonde qui est en jeu. Bascule-t-elle dans un nationalisme ethnique, ou reste-t-elle un minimum fidèle à l'héritage du multiculturalisme ?